salut à tous les petites choucroutes. Voilà, bon, moi ça fait que quelques minutes que j'ai arrêté le vlog, mais vous, ce sera la semaine d'après que vous le verrez. Donc voilà, je voulais pas faire un vlog trop long, parce que je sais bien qu'après 15 minutes, les gens en ont plein les couilles. Donc voilà, je vous avais donc expliqué quelques points positifs, quelques points négatifs de la moto que j'ai acheté donc l'année passée. Et je vous ai expliqué qu'après 13 000 km, voilà, point. Juste une petite indication qui me passe comme ça par l'esprit, c'est que la moto, je lui fais faire un entretien tous les 6000 km. Donc 6000 km, petit entretien, juste changer l'huile. 12000 km, lâcher l'huile, changer le filtre à huile, changer le filtre à air, changer les bougies. Je change les bougies toutes les 12000 km. Je ne veux pas tomber en panne avec des problèmes d'allumage ou n'importe quoi. Donc voilà, lui il est malade ou quoi. C'est bien mec, c'est bien, connard. Donc voilà, ça c'était une parenthèse à part. Donc maintenant je vais vous parler d'un des points positifs du couple monstrueux que j'ai avec, enfin monstrueux, hein. Voilà, un bon couple. Donc ici on va aller sur le ring de Charleroi. Donc on se retrouve tout de suite et je vous laisserai écouter ça de vos propres oreilles. Allez, à tout de suite les petits gens. Et voilà, on est à l'entrée du ring de Charleroi, toujours en rénovation comme pour pas changer. Bonjour à ton copain. Moi je reste à 50 parce que ici j'ai pas envie de me faire flasher par un putain de radar de merde. Voilà, clignoteur, c'est bien, voilà. Donc, hey, je suis à 55, hein. C'est zone 50, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, je vais juste vous parler du couple. Donc je suis en 5e, à 50 à l'heure, donc je peux rester jusqu'à 30 km/h. Bien sûr, j'accélère comme un taré, la moto va cogner, mais comme pas possible, c'est normal. Si je laisse qu'un seul petit filet de gaz, ça va, ça colle pas. Donc c'est un beau bicylindre, un beau bicylindre, et pas un 4 cylindres comme un, comme quelqu'un m'a dit, ben je ne citerai pas son nom, enfin soit, c'est n'importe quoi, enfin soit. Et ouais ma paix, je t'attendrai derrière moi à 60, c'est quoi, je vais descendre jusqu'à 50, voilà. Donc on va passer en dessous d'un tunnel, c'est pour ça que je suis venu ici. Que moi les tunnels, j'adore les tunnels. Et je vais vous faire écouter le son du moteur jusqu'au rupteur en fait. Ben ouais. Ben ouais. Ben ouais. Ben ça, c'est pour ça que tu sois à la droite. Donc, je vais rétrograder de 3 vitesses. Et je vais vous faire écouter le petit boucan que ça fait quoi. Alors, voilà, une vitesse. Je suis en troisième. Attention maintenant. Troisième. Bah, je vais vous faire montrer donc la deuxième vitesse. Voilà. Non. Trois. Deux. Et jusqu'au rupteur. Ah, ça tourne un peu. Thank you.
On quitte l'autoroute, putain. Ouh. Bah c'était beau. Putain, t'es... Ah, je me suis fait plaisir, hein. Je sais pas si vous l'avez entendu. Mais là, je me suis vraiment fait plaisir. Bon, ici on va les tester donc, pour vos petits yeux ébahis, vos oreilles assourdies. On va tester le 0 à 100. Donc, pour ça il faut trouver une rue non fréquentée. Alors voilà, je sais que vers Caterpillar il y a une rue non fréquentée. C'est là où j'ai appris mon permis de conduire avec mon père. Donc on va tester ça tout de suite. J'espère qu'il n'y a pas de contrôle de flic sur la Nationale 5. C'est tout ce que je demande. Bon, il fait quoi? Il tourne. Bon, l'ampliateur, c'est une option. Alors. Ouais, bon, il n'y a rien à gauche. Ah oui, ça c'est aussi un point négatif. Pencher avec un chopper, vous oubliez. Hein. Voilà, je suis en cinquième. Et je vais pas trop accélérer parce qu'ils sont souvent là, les petits connards. Bon, on est dimanche, mais bon, on ne sait jamais avec eux. On ne sait jamais. Après, je vais... Ah ben, voilà, voilà. Je vais faire mon test de 0 à 100 juste ici. Voilà, feu rouge. C'est tout bon. Ah. Normalement, troisième, je passe. Là, je passe la troisième et je suis à 100. Faut regarder qu'il n'y a pas de flic. Ça serait gentil. Il y a une M à côté de moi, mais je sais pas si c'est les flics. Allez. C'est pas être sportive, ça se voit. C'est pas être sportive. Bon, ici, je vais aller faire le tour du rond-point. Bon, de Caterpillar. Voilà, j'ai fait mon 100. Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas de... Comment dire, de chrono. Je vais juste calculer combien il y a de secondes et de centièmes. Plus ou moins. Hein? Centièmes, plus ou moins. De secondes, quand même, oui. Oui, c'est cool. Hé hey! C'est quoi? Putain! Pas le train! Enfin, ça! Allez, on va se calmer, on va faire le tour du rond-point et je vous me présente la moto sur le parking du Brico. A tout de suite! Et voilà! On est arrivé! Eh, hey. Ça fait quand même plaisir de plus entendre le moteur des fois. Hop. Voilà. Donc, pardon pour la petite toux. Donc voici le petit engin que j'ai. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Ah ben voilà, j'ai même pas besoin de mettre de photo. Enfin si, je m'en mettrai une quand même. Donc, le pneu que j'ai à l'arrière, c'est un 170. Un 170-95 Dunlop. Et à l'avant, c'est un 100-90-18. Donc j'ai un 18 pouces à l'avant. Donc ça, c'est les montures d'origine. Donc, je vais juste enlever le casque, on va moins m'entendre. Ouais. Voilà. Alors, voilà. Comment on avance ? Donc, quand je vous dis que mon pied est bien mis, c'est bien mis. Alors, pas d'échappement. Highway Hawk. Donc, très bon pot. Vous l'avez entendu. Oh, il y en a un qui s'abuse là-bas. C'est beau, ça. Donc, dessus, donc, j'avais une bavette caoutchouc jusque-là. c'était horrible. Hein. Je l'ai enlevé et puis j'ai mis un... Allez, un... Ah, oh, merde, comment ça s'appelle encore? Enfin, un porte-plaque sur le côté que j'avais construit moi-même. Bon, je l'ai perdu, je l'ai cassé. Enfin, donc là, ben, j'en ai remis un avec un allume-plaque.
fait maison. Donc ouais, donc les rétros que je vous parlais donc la semaine dernière pour le test de la semaine dernière. Donc voilà, j'ai exactement 43 308 km avec. C'est une boîte 5 vitesses, très bonne bécane quand même. Donc voilà, ça c'est les 4 clignoteurs. Donc les 4 clignoteurs ne fonctionnent pas, donc la moto est bien allumée, ne fonctionne pas. Il faut au moins mettre les feux de position pour que ça fonctionne. Donc dessus, quand je... pardon, comme j'avais chuté, donc on le voit encore à mon rétroviseur ici qui est tout plié. Bon ben, ne vous inquiétez pas, de toute façon ça, le support de flaque, oh là là, support de plaque, je vais le changer. Donc j'ai dû racheter deux phares parce qu'il y avait la petite LED bleue là et il fallait pas que j'en ai une LED bleue là et pas de LED bleue là. Donc voilà, donc ici ça fait un an que je l'ai. Normalement je vais encore la garder 2 ans et demi parce que j'ai fait un prêt sur 3 ans et demi pour la moto. On va voir si j'arriverai encore à la tenir 2 ans et demi sans me cracher, sans la casser, sans... Voilà. Il y a moyen. Elle date de 1999, il y a moyen. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu. Donc j'ai fait un test, mais vite. Hein. Donc dessus, juste pour vous expliquer, dessus, donc le porte-phare, je vais changer. Parce qu'il est un peu tordu. La fourche n'a rien, c'est juste le porte-phare qui est tordu. Les rétroviseurs, je vais les changer. Je vais mettre des clignoteurs. Enfin, des rétroviseurs avec clignoteurs intégrés. Donc ça coûte un peu, mais ça, voilà. On a ce qu'on veut bien avoir. Je vais changer donc. Ça, il est déchiré, voilà. Bon, ben ça c'est voilà. Ah, désolé. Et donc je vais changer aussi c'est mes bagageries, donc je vais ne plus avoir le truc avec marqué Shadow dessus qui je ne sais rien mettre dedans. J'ai juste ma combinaison de pluie dedans et mes chaussures de pluie, voilà, c'est blindé. Donc je vais prendre des rigides qui vont arriver de là jusque là plus ou moins comme ça, un peu plus épaisse, et là une bagagerie en cuir, voilà. Et normalement ce sera tout, peut-être changer ma boîte à air pour mettre un cornet, je ne sais pas encore ce que je vais faire à ça, et au moins changer mon pneu arrière parce que je peux vous montrer mon pneu arrière. On le voit bien, voilà. Donc quand il pleut, ben aïe pépito, voilà, vous comprenez, hein. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu. J'espère faire d'autres choses comme genre de vidéos que les Daily Observation que je fais d'habitude, que des vlogs, ouais, salut, je fais des câbles, voilà. Des balades moto, pour le moment, je n'en ferai plus. Car je suis en pleine étude, je fais des cours pour l'agrégation gaz, donc c'est la dernière balade que je me suis permis de faire parce que après deux jours de cours, bon ben ça va, c'est la matière très simple à faire, donc voilà. Donc ici, je vais juste vous ai présenté la moto, les inconvénients, je sais, il y a encore plein d'autres choses à expliquer, mais bon, je vous ai dit, j'ai fait ça à l'arrache. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser. Bon, pour les 111 abonnés que j'ai, vous pouvez me poser les questions que vous voulez, voilà. Allez, à plus, et bien sûr, je vous ferai des tutos comme d'habitude, hein, quand je démontrerai mes phares. Voilà, je voulais imaginer le bordel que ça va faire. Allez, à plus tout le monde, et portez-vous bien.